Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Comment nous passons notre temps là? Comment nous y est? Comment nous levons matin? J'espère que bon Dieu fait nous grâce. J'ai cru faire une grâce. Dormir, me lever. Donc, nous connaissons depuis notre année, voir ça, c'est lecture, parole de Dieu qui a été la caille. Marc. Chapitre 16, c'est lui-même que nous allons lire au dernier chapitre, Marc. Marc chapitre 16. Donc, nous connaissons après nous finir Marc là. Nous avons quitté le Nouveau Testament pour nous tourner dans le Somme. Pour nous continuer avec le livre Somme. Marc chapitre 16. Espérons que vous disposez. Nous disposer pour continuer dans les paroles, bon Dieu. Parole la vie, parole l'on connaît, la permet de vivre mieux pour bon Dieu. Marc chapitre 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où l'on l'avait mis. » Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne, à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Parole du Seigneur. Que mon Dieu n'a mon capable. Béni, portion écriture ça pour édification d'âme chacun de nous.
au nom de Jésus. Bien-aimés, frères, mes amis, mes compatriotes, mes seigneurs, nous arrivons à faire un livre, Marc là, là, dernier chapitre, les bonnes nouvelles Marc là. Nous voyons que lui montrer nous comment Jésus ressuscité, élevé, vivant parmi moi. Mais ce n'est pas ça que nous allons parler maintenant, parce que nous avons habitué ça, Jésus ressuscité, et combinaison qui fait, puis on dit le pas ressuscité. Dans l'autre livre, nous comptons ça. Parce que pas de côté de parler de résurrection. Donc pour moi, tout ce qui est vrai, qui est fait et qui est vrai. Mais ça nous a parlé matin là, c'est une parole que Jésus te dit avant qu'elle te mourit. Lorsque femme, pendant le cas Simon le lépreux, tu viens vider parfum, grand prix sous tête là. Et puis, disciples étaient indignés et ont posé des questions. Pour qui ça on peut être comme ça? Pour qui ça obligé de perdre pas fait ça? Ils ont vendu de préférence et ils ont été pauvres. Mais Jésus te dit, pour qui ça n'a pas fait ça à la peine? Il fait une bonne action à mon égard. À l'égard de moi-même, son bonne action qu'il fait. Il est tout en beau même. Pour ces petits. Ça, moi, je ne m'attendais pas à parler de lui souvent. Mais l'esprit t'es flashé, t'es recevoir un rayon ça, et bien, pour me capable de parler sur ça. Jésus t'a dit, c'est tout, femme, tout embaumé pour ces petits. Nous parlons que ça Jésus te dit à les réaliser et c'est ça lié. Comment nous parlons de réaliser après nous connaissons Jésus la veille sabbat les mourir, ils mettaient le tombeau. Et puis puisque c'était tabac, mesdames et potes, qu'on ne fait rien. Qu'on y a là, il y a tant de sabbat fini pour être capable d'aller en bombe. C'est ça, ouais? Marie, Magdala, Salomé. Et l'autre jour, je t'ai préparé des aromates pour embaumer comme Jésus. Qu'on y a là, bien bonheur dans dimanche matin. Je t'ai allé dans ce truc-là. Pendant qu'on est en route, il a posé cette question. Qui est-ce qui peut rouler les roches là pour nous? Parce que les roches là, c'est gros en pile. Et pendant qu'on a pris des roches, les roches là, c'est que t'as roulé. Mais on n'a pas pensé à faire des résurrections. Hein? Tout ça a été préparé pour te embaumer comme Jésus, l'aller avec lui, et puis là où il vient, il y a un proche là où il est entré. Après il est entré, il y a un monsieur, un jeune garçon, habillé avec une robe blanche sur lui, et puis qui dit, il était un petit en paix, il est effrayé. Il dit, nous pas besoin de paix, nous avons besoin d'effrayer. Nous connaissons pour chercher Jésus, on va quitter crucifié. Mais il n'est pas là encore. Il dit non, il dit ça ensemble avec Pierre, il dit que Galilée. Jésus était content de dire ça. Il était content de dire que Galilée. À partir là, nous voyons que mesdames qui ont préparé des aromates, des bagailles pour aller en bombe avec Jésus, Jésus est arrivé, il n'a pas joint Jésus. Parfait, hein? Jésus te dit, il te vide sous tête là, c'est tout le te tout fait. On prend pour ses petits, il était tout en bobe école. Eh bien, Noé, Jésus, tout ça le dit, il réalise. Il y a plus de monde qui doutait de la divinité de Jésus. Là, Jésus, c'est le Dieu qui fait chair pour venir sauver l'homme. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'accord. Donc, tout bagage ça, il a montré Jésus, c'était bon Dieu qui te mettait l'amour
pour être capable de sauver le monde. Ok? Donc, c'est ça que nous faisons, ouais, parce que Jésus n'a pas fait de grand prière que femme là t'es vidé sur tête Jésus a lorsque Jésus t'a dit monsieur pas fait femme de la peine parce que il fait une bonne action à mon égard il tout en beau même parce que pour mourir il tout en beau même parce que il pas gain temps pour en beau mais encore il tout en beau mais ouais dès que c'est premier monde qui en beau mais avant le mourir. Est-ce que j'aime donner sa fête pas gen moun ki yo embaumé avec moun. Et puis embaumé sur un fait très simple un parfum malgré tes grands grands prix li vidé yo vidé sous tête li et puis il était tout dit il tout lavé il tout fait ça yo tout bien mort mais il était vivant seul lui même qui fait ça et bien ouais il vient réalité parce que c'est Jésus t'es parlé Dieu lorsqu'il parlait ça le dit la réalité quand même et de qui point nous voulons parler encore c'est message mission que Jésus bail disciple l'elfin bailo les dieux de pour aller tout partout sur la terre annoncer bonne nouvelle là bail tout le monde tout partout sur la terre nous même nous recevons là parce que Jésus t'a dit pour aller tout partout. Nous joignons l'évangile là. Donc, nous devons saisir l'évangile là parce que c'est Jésus qui t'a parlé pour être capable de griver, joindre nous. Et il faut nous tenir parce que tout le monde détenait l'évangile avant que Jésus-Christ retourne venir chercher l'église là. Il dit le monde qui croit et puis qui recevoir baptême va délivrer. Mais les gens qui ne pas croire, ils vont condamner. Bien-aimés, est-ce que nous avons besoin d'arriver juste là, la parole ça, les gens qui ne pas croire, ils vont condamner. Même si j'ai un pile rebelle qui ne pas croire dans Jésus, comme petit bon Dieu, hein, qui est venu sauver, parce que je connais les gens pour venir, les gens ne pas croire, incrédulité. Hein, je dis, ah, est-ce que nous-mêmes nous d'accord avec la même incrédulité pour nous dire, je dis c'est lui, je dis c'est là, c'est européen, bah non, occidentaux, qui peut être le bah non, nous pas connaître, je dis blanc, etc. La Bible n'a pas parlé de ça. Mais ça qui est essentiel, est-ce que vous recevez Jésus? Est-ce que vous acceptez la parole là pour que l'on accepte hein, au besoin? Pour baptiser, pour prendre engagement ou observer, net aller. Hein? Il y a pile de monde là, n'a vivre là, mais pourquoi on baptise? D'après la signification baptême, puis plonger, immerger dans l'eau, nous pouvons j'en faire. On connaît la dîme, il y a plusieurs types de baptême, oui, il y a plusieurs types de baptême, mais ça, le Seigneur te dit, ça, le Seigneur te fait, en tant que divin modèle là, c'est lui pour nous suivre. Lorsque l'évangile est venu, nous voyons que Jean allait dans le fleuve. Jean baptisait Mounio dans le fleuve Jourdain. Il plongeait tout le monde qui était à la repentance. Ok? Eh bien, tout le monde qui acceptait Jésus, qui acceptait la parole là, a besoin de baptiser. Faut ou baptiser. Et baptême, ça, faut ou plonger dans l'eau. C'est lui que bon Dieu acceptait. Ok? Donc, c'est ça, nous te portons pour vous matin. Nous posons la question, est-ce que vous croyez? Si vous croyez, est-ce que vous recevez le baptême déjà? Donc, la question, si vous croyez, est-ce que vous recevez le baptême déjà? Donc, c'est vous qui connaissez ça pour faire. Mais, vous-même qui ne croyez pas, si vous ne pouvez pas recevoir le baptême, ou beaucoup quoi? Faut quoi? Faut quoi? Faut disciple. Disciple là, ça veut dire ou apprendre parole là. L'offre une parole là, ou baptiser. Il y a des gens qui pressent, ils devaient quoi? Ils courent, ils courent. Moi, maintenant, quoi matin, même côté le quoi, ils baptisent. Et bien, ça, la Bible a dit là. La Bible a montré nous, faut que disciple
Comment pour disciple, c'est pour recevoir la parole, c'est pour connaître la parole. Lorsqu'on connaît la parole, qu'on y a là, ou à baptiser, ou prêt pour baptiser. OK? Donc, et ça nous te porte pour matin. Espérons que cet esprit va aider. Pas arrêter dans l'incrédulité. Pour ne pas croire dans la parole. Pour ne pas croire dans Jésus. Parce que tant à vivre là, Jésus pas trop loin pour lui venir. Venir, ça, c'est l'église là, la vient chercher. Après le finale, la tournée. La forme tournée, ça. Aïe, bah la bras le réduit. Mais c'est pour. Tout le monde, tout méchant. Et nous disons, méchant n'est pas le monde qui tue le monde, simplement qui prend zam cap tout le monde, qui prend couteau, couper tout, couper tête, mon machette, couper. Ça, c'est tellement méchant. Ou méchant, ou ap méchant, parce que ou pas faire cas de Jésus, ou pas recevoir, ou pas qu'on allait, c'est lui-même qui va le faire aller dans l'île. Méchant. Mais tu vas aller, allez, ça vous fait. Pendant que vous vivez là, profitez. Acceptez Jésus. Croyez en lui, attendez. Et puis, vous, l'offre qu'on a la parole, vous baptisez, vous persévérez dans tout ça que il m'a dit pour faire. C'est là nous quittons. Espérez, bon Dieu, va aider, c'est tout, va aider à comprendre davantage pour la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse. Père d'amour, papa, nous qui dans le ciel, la matin, nous action de grâce. Malgré un peu l'inconvénient qui était arrivé tout autour, oh, de Seigneur, parcours, que nous sommes capables de présenter lecture, les bonnes nouvelles, Marc là, eh bien, j'ai Seigneur de Tubissant, grâce à Seigneur de Tubissant, à où, eh bien, nous arrivons fini matin, là, dernier et chapitre 16, le livre Marc là. Nous te remercions en pile pour ça, Seigneur. Nous espérons que c'est là que tu es guidé nous par le Saint-Esprit. Avec chaque monde qui branche, chaque monde qui recevra parole ça, eh bien, Seigneur, vous tendez. Et nous demandons grâce pour vous, pour que, Seigneur, vous ne arrêtez pas dans l'incrédulité, mais pour vous capable de croire dans Jésus. Et puis pour vous capable de recevoir le baptême, et vous vous sauver. Mais Seigneur, j'en dis à. Pas quitter, rester dans l'incrédulité pour ne pas croire, parce que vous parlez condamné. Le Seigneur, délivrez-vous. Et comme ça, il a fait louange pour vous-même. Et bien, permettre que la parole parle, et bien, c'est ça pour vous tenter jusqu'à ce que le Seigneur vous va changer de direction. Il va entrer dans vous-même et il va faire volontaire. Le Seigneur, nous continuons. Remettre pays Haïti nos mains. On compte tout ça qu'a fait parce que, ou c'est mon Dieu, ou est tout bagaille, ou compte tout bagaille, et ou qu'a fait tout bagaille. Eh bien, n'abtonne par la prière avec un peu d'espérance, c'est le Seigneur Dieu puissant que nous connaissons, ou qu'on bagaille, ou besoin fait, et ou a fait, parce que ou parle plusieurs fois pour ça. Eh bien, agis pour nous, pour la gloire de tout Seigneur. Bénissez là, Seigneur, qui est dans la prison. Si là qui malade couché l'hôpital couché même ka gangan mambo etc ka maçon loge yo al des guérison mais Seigneur nous connaissons vous même qui sous guérison ben m'a do parler avec cœur et puis pour ta vinn tourner vers vous même de préférence et comme ça et a joine bon guérison et guérison tout bon pour la gloire de ton Seigneur et ben Seigneur agis pour nous. Nous prions comme ça, au nom de Jésus. Notre divin sauveur qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Eh bien, nous demandons à tout le monde qui reçoit la parole, surtout pour la première fois, eh bien, nous demandons, t'en prie, on va accorder pour abonner avec elle et puis pour partager avec nous. Nous ne pas venir sur YouTube là, mais pour recevoir, eh bien, partager pour permettre plus pour entendre. Et bon Dieu va bénir pour ça. OK? Ben allez, fais bien. Autant que vous capable et continuez à prier pour payer. Qu'il a toi de si pour vous. Bonne journée de lundi. Au nom de Jésus.